Ça, c'est ma morning routine ici à Lille. Bon matin à vous. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier jour de festival. Au programme aujourd'hui, des projections bien sûr, des rencontres, des dédicaces, tout un tas de trucs fantastiques. Vous me suivez? On y va? C'est parti! Hoping that by bringing this to a wide audience, people will see what police who are not watched closely are capable of. Alors là, juste derrière moi, c'est le Tripostal et c'est là où a lieu le Village Festival by Crédit Mutuel. C'est l'endroit où il y a toutes les rencontres, tous les jeux, il y a même des escape games. Et notamment, on va retrouver tout de suite l'équipe de Scam qui va rencontrer ses fans. C'est parti! Je voulais savoir comment tu fais pour que Scam soit aussi proche de la réalité. Je reste assez proche en termes même de réseaux sociaux, de documentaires. Voilà, je reste connectée à cette génération. Pourquoi Scam, c'est une série qui est importante selon toi? J'ai beaucoup aimé Scam, Scam France en général, parce que ça aborde des sujets différents qui peuvent être durs pour certains ados. Et je trouve ça super important de pouvoir se projeter dans ces séries pour dire bah ça va aller mieux en fait. Trop bien. Merci beaucoup. De rien. Et oui, Série Mania, c'est aussi un concours de cosplay. Est-ce que vous pensez que j'ai une chance de gagner comme ça ou il faudrait que je fasse quelque chose peut-être? Je pense qu'il n'y a aucune chance comme ça. Tant pis! Chaque année, des journalistes déménagent leur plateau ici, à Série Mania. Par exemple, là, on va rencontrer Charline Van Hoenacker pour son émission Par Jupiter sur France Inter. Vous me suivez? Le plus grand festival de séries en Europe s'ouvre aujourd'hui, nous y sommes, c'est Série Mania, les fictions réalistes et historiques sont les plus représentées. Bonjour Charline. Et bonjour Série Mania. C'est vrai que les séries, c'est un des meilleurs vecteurs pour offrir une lecture alternative de la société, du monde qui nous entoure, de la politique, de la santé, des violences policières, etc. Quoi. Ouais. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Super. Et bon festival à tous surtout. Merci. Lille ne dort jamais à Série Mania. Les amoureuses et les amoureux de l'humour sont en train de profiter à la nuit des comédies pendant que les fans de paillettes sont en train de s'ambiancer à la Queer Night de 20h30 à 3h du matin.